Donc on est à Scalis en 1403. Salut maman! Maman! Ah, maman! Je suis blessée! Je n'arrête pas de saigner! Oh, allons! Cesse de pleurnicher comme un bébé et montre-moi! Et voilà, c'est réparé! Il faudrait que tu saches faire ça tout seul! Merci maman! Filé 45 de santé ou un truc comme ça. Hein? Elle me fait quoi, un bisou magique là? Aïe! Ah, waouh! J'ai la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Oh Jésus! On va finir comme Scalis. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. MDR. Cet imbécile de Scalis est parti et a sauté dans les douves. C'est une blague. Eh mais tu lui fais les poches, ma parole. Aïe. Il s'agit de pas mourir aussi. Ah, il va me tuer. GG. Je peux pas me rendre. Oh, j'ai gagné. Bonjour monsieur le Ingre. J'ai pas envie de crever. Je sais même plus comment on se défend. Ce serait cool que je sache. C'est A. Pas sûr. Oh non, il m'a one shot. La fête est finie. En voilà une brave fille alors. Celle-là, il faut la garder. Enfin, c'est quand même dommage que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée. C'est le purgatoire qui les attend. Ah, chute, toi. Moine. Ouais. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons pendant que vous vous empifferez. C'est pas faux. Peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces braves chrétiens vous-même. Allez à Scalis et sanctifiez leur tombe. Si vous êtes tué par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée. S'il reste quelque chose à enterrer, les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé. Et les squelettes se ressemblent tous entre eux, alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés de ceux des tartares de Sigismond? Monseigneur, c'est un paysan. Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer. Pourquoi pas? Nous avons bien un porc pour prêtre. Oh, oui.